Ça a été facile. T'imagines ce qu'on a enduré? Moi aussi, je suis restée enfermée 2 mois. Quelqu'un m'a demandé si je souffrais, si j'avais cru que j'allais mourir, qui m'a demandé à quoi ou à qui j'avais pensé à ce moment-là. Qui m'a demandé si j'avais eu peur. Bouge pas! Qui m'a demandé si j'avais pleuré, si je m'étais senti seul. Tout ce qu'on m'a demandé, c'est de m'expliquer. Ça ne m'empêche pas de vous aimer. Plus que tout. Quand on est la femme d'un capitaine d'industrie, on ne laisse pas passer ses nuits à jouer au poker avec n'importe qui et entretenir des maîtresses. Je vous remercie de votre franchise, monsieur Perrac. Eh bien, ce que les Français trouvent indécent, ce sont les sommes que Graff se permettait de perdre au casino. Je te préviens, on n'est pas des rigolos. On va te couper un doigt, on enverra ta famille pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Avant, tu vas leur écrire qu'on veut 50 millions d'euros. C'est trop court, ils trouveront jamais une somme pareille en 2 jours. Fais ce qu'on te dit, président. On va payer. Jusqu'à combien peut-on aller? On ne peut pas plus de 20 millions. Vous avez 50. C'est ça ou rien. Jusqu'à combien de doigts êtes-vous prêt à aller, monsieur Valser? Les folles soirées du président Graff, jet set, grand patronat, milieu et demi-monde, le mélange des genres qu'il a perdu. Et vous verrez qu'on va nous ressortir les parachutes dorés et les stock-options. Vous imaginez le poids qu'il avait sur les épaules? Et moi, je lui aurais fait des scènes à la moindre escapade. Dans mon règne, dans ce numéro, il y en a 3 différentes. C'est une guerre psychologique. Nous devons mettre toutes les armes de notre côté. Valser est en train de réunir l'argent qui manque. Ne faites pas ça. Vous le ruinez définitivement. Je les ai avec moi. Je peux vous les apporter tout de suite, si vous voulez. Allô? Qui a pris le risque de prévenir les flics? Parce que celui qui a fait ça, il n'a pas forcément envie de te revoir vivant.